aventure, le Tour de France en deux chevaux, sans argent. Milan et Muammer, les Optimistic Travelers, sont partis pour cette nouvelle aventure. Mais est-ce que la France est-elle si généreuse ? Pendant ce tour du monde, on a décidé de partager notre aventure grâce aux photos et textes. Mais maintenant, c'est différent. On s'est entraîné pendant des mois pour réaliser un vidéo chaque jour. Donc cette fois-ci, on va filmer, monter et partager un vidéo pour vous chaque jour. Notre mission, faire une bonne action tous les jours. Penser à l'autre. Aider l'autre. Oui, yes, Tour de France. Wouh. Bien, tu peux monter là. Allez, un petit tour en dadash. Là, on va aller à l'université et puis au passage, on va faire un plein pour le premier plein. Donc, ça me fait super plaisir de vous l'offrir et puis j'espère que vous pourrez aller le plus loin possible avec déjà. Tour de France, c'est parti! Je me sens très bien, en bonne forme, très content de repartir pour l'aventure avec ma mère. La mission, comme on part toujours pour l'aventure sans manger, l'idée c'est de trouver une baguette, un croissant et un petit café pour ma mère. Ah. En fait, on est parti avec la deux chevaux, on va faire le Tour de France sans argent. C'est possible? Ça paraît un peu compliqué, mais on ne sait jamais. Alors on cherche quelqu'un qui veut partager un petit café et des petites histoires avec nous. Ouais. Ça te dit? Non, mais j'ai pas le temps, je travaille là. Ah, tu travailles? Hé! On est Jean Journain! Ça commence aujourd'hui? Ah là là, on est à Strasbourg, sur à la petite France. Et c'est d'ici que commence le Tour de France sans argent. Très heureux de repartir à l'aventure après le tour du monde en 80 jours sans un centime. La générosité des milliers de gens et d'inconnus du monde entier. On a envie de prouver aussi que la France est généreuse. On a envie de montrer la beauté de la France en parcourant les petites routes nationales. C'était ma première voiture. Ça. Alors, on est allé jusqu'en Turquie avec ça. Voilà. Je vais vous faire visiter mon appartement. Waouh! On a vu, elle est splendide ici. Les Turcs sont hyper sympas là-bas. Hein. Et en fait, avant qu'on reparte d'Istanbul, on avait sympathisé avec une personne turque. Elle nous a emmenés à l'extérieur d'Istanbul. Il y a des garages innombrables là-bas. Et les gens sont hyper débrouillards. Ils n'ont pas les pièces, mais ils ouvrent partout. Et en même temps, ils nous avaient chargé la voiture avec des bidons d'essence pour qu'on n'ait pas à payer l'essence du retour. Ouais, c'était extraordinaire. Ouais. Non, incroyable. Voilà, on a un petit CD pour écouter la musique dans la voiture. Sinon, enfin, moi, ça c'est une amie qui me l'avait donné, je l'avais enregistré la musique. L'idée, c'est pas toucher l'argent, donc on a ça pour mettre l'argent de vente des livres. Donc nous, on va pas toucher l'argent, on va mettre l'argent dedans et on va offrir à Paris. Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous?
Vous avez fait le tour du monde sans argent, donc en France, pourquoi pas? La France est généreuse? Je pense que oui. Alors, si on a faim, là, on va manger où maintenant? Ben, vous allez manger ici. Vous croyez qu'ils nous invitent? Que eux vous invitent? Hein? Ça, je ne sais pas. À moins que, ben, si vous voulez, on vous invite. C'est vrai? Ben, si vous voulez. Mais on peut aller dans un petit truc, hein? Pas un grand restaurant comme dans ça. Dans un petit truc. Mais nous avons réservé ici. Eh, hey, monsieur, vous êtes d'accord? Ah bah, naturellement, je suis d'accord. Ah bah, c'est super! Bien. Enchanté. Enchanté. Marie-Paul. Marie-Paul, on a des cadeaux pour vous. Ça, c'est... Ah, ça. Ah bah, c'est votre voiture. Ça permet de vous connaître. Mais là, monsieur l'avait réservé pour quoi? C'est la première fois de cette couple extraordinaire en vélo électronique. Et nous, on a pensé électrique. Et nous, on a pensé de faire un court métrage, un petit film de une minute avec nous deux, avec vous deux, avec le beau paysage derrière, le macro. Et ça vous va? Bien ce que vous faites, c'est bien. C'est bien d'oser. J'aurais aimé si vivre plus d'aventures, mais j'ai pas osé. Exactement, il y a un an, mieux et moi, on a commencé le tour du monde en 80 jours sans un centime. Et entre-temps, on a fait le tour du monde, on a écrit un livre, on a fait une action humanitaire en Haïti et on a une nouvelle aventure. Bonjour. On peut vous aider? Vous avez une clé de 10? Une clé de 10? Oui. Non, mais on peut aller chercher un garage? Non, mon copain est en route. Maintenant, je ne sais pas s'il a trouvé ou non. Ah, vous n'êtes pas tout seul? Oui. Ok. Mais, la batterie est foutue. Ah, ok. C'est ça le problème. Et on peut faire autre chose pour vous? Non, merci. C'est très gentil d'être venu. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ah, là. Je m'en fais rien. Je m'en fais rien. Ça change. Alors, tes impressions, comment tu te sens dans une deux chevaux? Ben, la nostalgie qui revient. Hein. Quand il va de Haute-Pierre à Montagne Verte, il fait de l'autostop. Les gens se pressent. Non, c'est moi qui le prends, non, c'est moi. Félicitations. Tu as fait une énorme action puisque tu as sponsorisé 100 livres que exactement, tu veux offrir aux enfants. Voilà. Est-ce que tu peux en parler? Au lycéen, j'aimerais offrir aux lycéens ce livre-là qui montre que les gens sont encore solidaires et la fraternité existe toujours en France comme dans le monde entier. Et j'aimerais que ces valeurs qui sont universelles et propres à l'humain, qui doivent perdurer et les montrer à ces jeunes gens-là pour qu'ils puissent aussi continuer. Parce que tout n'est pas matériel et l'humain a besoin de l'un de l'autre. Et ce que vous avez fait en faisant le tour du monde, sans un sou dans la poche, vous avez démontré que l'homme n'était pas mort, la fraternité n'était pas morte. Et je vous félicite pour tout ça. Ben, j'ai décidé de commencer là aujourd'hui
de Anjouta à Belfort sans un centime. Ouais. Parce que vous faites... de mettre, en fait, on fait le Tour de France en deux chevaux. En deux jours. C'est cool, ça. Est-ce que vous avez une idée d'un endroit où on pourrait dormir en sachant qu'on n'a pas d'argent ? Sur le trottoir. Allez, ouais, sympa. Hein. Sinon, il y a l'armée du salut, c'est pas loin. Mais vas-y. Ah, Belfort, ils sont pas gentils. Hein. Avant, les filles elles nous ont proposé le trottoir, là, l'armée du salut. Belfort vient de proposer les cartons. Voilà. On nous invite à dormir dans les cartons. Hein. Et toi, personnellement, ça peut pas rester. Vous aider. On peut dormir chez toi. The place to be à Belfort. Comment tu t'appelles ? Adélaïde. Je peux dormir chez toi ce soir, Adélaïde ? Ça va être compliqué, je pense. Ton chat, il veut pas ? Ouais, bah faut que j'appelle mon mec, mais... Adélaïde ? Ouais, je vais l'appeler. Non. Ouais, je pense qu'il sera d'accord. Vous voulez dormir chez moi, là ? Ouais. Bah ouais, ça marche. Et alors, vous accueillez des voyageurs aussi, comme nous, qui voyagent ? Ouais, moi, j'accueille des voyageurs, ouais. Ouais, c'est cool, mais là, ce soir, c'est... Je moi, ça sera pas possible. T'as pas une idée ? Le monsieur à côté, il s'en va. Moi, je peux vous héberger, mais il faut qu'on parte maintenant. Pas de problème. On peut y aller maintenant ? Ah bah ouais. T'es où ? T'es venu comment ? T'habites où ? Je suis en vélo. T'es en vélo ? Nous, on a une deux chevaux. Vous êtes en deux chevaux ? Alors, vous suivez mon vélo. Tu peux pas savoir comment on est heureux, là. Waouh ! Parce qu'on a eu du mal à Belfort, là. Et alors, pourquoi je vous ai hébergé ? Je vous ai hébergé parce que je fais confiance aux gens. On a eu une longue journée, on a commencé tôt, on a perdu pas mal de temps sur les routes d'Alsace parce qu'elles sont trop belles, et puis on avait trop envie d'y rester. On a fait des super rencontres, on a mangé deux fois au restaurant, on a eu pas mal de refus à Belfort pour dormir, mais finalement on a trouvé notre bonheur chez Baptiste, le musicien. Et là, c'est vraiment l'heure. Bonne nuit tout le monde. C'était une longue journée, il est 2h du mat. On a fait 3 vidéos aujourd'hui, les vidéos d'hier, les vidéos pour la bonne action du jour et les vidéos d'aujourd'hui. Donc maintenant, on va se coucher. Bonne nuit. Go back in time when you and I were uncomplicated. Let's go back in time before I felt what I felt when you did what you did that night. Et finalement, on va aller tous ensemble faire un graphe à Besançon sur un mur légal, quand même, puisque c'est un grand graffeur. C'est parti! There's a long time ago, I met Mr. Dracula. He told me, do you like Fuencula? It's the new funky dance. We have to dance on you now. Mais la bonne action du jour, c'était de prendre Marc, notre autostoppeur, et de le déposer exactement là où il veut. Ah, ben, autostop, ce que j'aime bien, c'est rencontrer des nouvelles personnes,
voir des nouveaux paysages, et puis c'est une sorte de petite aventure. Oh, 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 oh.